La MINUS, mission des Nations Unies au Soudan du Sud, organise un forum des femmes à Juba depuis le 25 novembre 2016. Objectif, évoquer les disparités entre les sexes dans ce pays en crise. La rencontre vise aussi à mettre un accent sur le droit à l'éducation, en particulier dans les zones touchées par le conflit dans le pays. En somme, cela va consister en un dialogue entre les femmes. Nous allons leur demander d'identifier certains de leurs problèmes et des défis majeurs auxquels le Soudan du Sud est confronté et leur demander également de proposer des suggestions concrètes, des propositions spécifiques sur ce qu'elles veulent du gouvernement, ce qu'elles attendent de la communauté internationale pour aider à créer réellement un environnement qui permettra une éducation sûre pour tous, en particulier pour les femmes et les enfants. Selon l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, seules 35% des filles du Soudan du Sud sont inscrites à l'école primaire. Plus de 51% des enfants en âge d'aller à l'école ne sont pas aussi scolarisés. Le forum examine également comment les problèmes auxquels sont confrontées les femmes du Soudan du Sud peuvent être identifiés et traités. Les femmes sont restées à la maison à cacher des choses, même si leurs maris les battent. Elles ont tendance à faire semblant qu'elles sont bien dans leur foyer alors qu'elles ne le sont pas. Ce dialogue nous aidera parce que nous savons aujourd'hui que les femmes vont soulever beaucoup de questions auxquelles elles font face dans leur foyer et nous voulons aussi qu'elles nous donnent au moins des recommandations pour que le gouvernement et les Nations Unies nous aident à les mettre en œuvre. Depuis décembre 2013, le Soudan du Sud est plongé dans une guerre civile. Les 16 jours de militantisme contre la violence basée sur le genre sont effectués chaque année du 25 novembre au 10 décembre. Et cela avec pour seul objectif encourager la fin de la violence envers les femmes et les filles dans le monde.